cocotte mort. Première trouvaille, une capsule. Voilà, content. Deux algues. Tada. Bon, les algues, ça pollue pas. On... À la mer. J'ai un chose. Oh là. Oh là là, c'est lourd. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un panneau. Ouais. Un panneau. Comme quoi, l'aimant est quand même assez puissant. Hein. Un pêcher à panneau. Qui ne signale absolument plus rien là. Alors là, j'ai pêché un truc, les amis. Qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment l'impression que c'est. Alors, la branche dégage, c'est dégueulasse. C'est une culotte? C'est vraiment une culotte? Mais n'importe quoi! Mais qui s'est déshabillé ici et a mis sa culotte dans le canal, quoi? Alors, pour vous expliquer un petit peu deux, trois choses. Qu'est-ce que la pêche à aimant? Tout simplement, nous avons un aimant. Alors ceux-ci font combien? 150 kg à peu près? Enfin non, il faut pas 150 kg, mais il a une force qui peut soulever à peu près 150 kg. En général, il faudrait plus parce que avec les histoires de courant, de masse d'eau, que les objets sont enfouis, il faudrait des aimants de 250-500 kg. Sauf que le problème, c'est que ça coûte cher et que si tu le bloques, eh ben, t'as perdu en gros 100 balles sous l'eau. Surtout que c'est une activité absolument bénévole. Mais malgré que bénévole, cette activité est tout très activité est très plaisante. Ouais, bah oui. Et le principe, c'est que en fait, on sort toutes sortes d'objets métalliques pour dépolluer l'eau, de se poser le long des quais, voilà, à la cool, sortir des objets métalliques de l'eau. On a sorti plein de vélos, des skateboards, et ça permet d'un peu dépolluer l'eau. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc si vous voulez rejoindre l'événement, hein, on a créé un petit groupe dépollution Strasbourg, voilà. Tous ceux qui sont sur Strasbourg et qui sont... Tiens, j'ai une barrette à cheveux. Voilà. Tous ceux qui sont sur Strasbourg et qui sont prêts à venir nous aider, venez, vous êtes les bienvenus. Achetez-vous un aimant et une corde, ça peut toujours être bien. Mais vous pouvez prendre, je sais pas, un morceau de tôle qui fait grappin, voilà, ça marche aussi. Une corde de type, corde résistante. Ou alors vous venez avec des bières ou du jus de fruits si vous avez moins de 18 ans. Mais dans tous les cas, tout le monde peut venir. Voilà, tout le monde, il est bien, il est content et on fait une super journée. Voilà. C'est une boîte de conserve, je pense. Dépollution. On a sorti un panneau, plein de métal, des canettes, on a nettoyé les quais. Yeah. Wouhou. Écoutez, on a bien dépollué pour une première petite vidéo, voilà. On en fera d'autres, des sorties, des pollutions Strasbourg, voilà, pour vous montrer ce qu'on pêche, parce que là, il y avait un panneau qui était quand même bien sympa et une culotte qui était bien drôle. Mais des fois, c'est des trucs vraiment improbables. Un skateboard, que voilà, pêcher un skateboard dans l'eau. Qui utilisable, voilà. Yeah, franchement, il était génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à une très très bonne soirée et de passer un agréable abonnement. A plus dans une prochaine vidéo.